Suite à quelques problèmes techniques, vous aurez le privilège de m'avoir comme commentateur pour le front de l'Est ainsi que le front japonais. Et nous commençons tout de suite avec le front de l'Est, avec l'attaque d'Alitus par les soviétiques. Du côté du golfe d'Aden, il y a quelques mouvements italiens pour tenter de wiper les trois divisions pris au piège à Aden. Hélas, aucun renfort aérien ne peut leur être envoyé, les aéroports étant beaucoup trop loin. De l'autre côté du monde, en Chine et au Japon, il n'y a pas grand-chose à signaler. La production est toujours suivie, même si, hélas, il y a simplement des accrochages très mineurs, comme par exemple celui de la côte de Shandong par les bombardiers japonais sur les sous-marins américains. Ces derniers sont régulièrement interceptés dans ces coins, et d'ailleurs, les destroyers japonais fraîchement sortis des usines sont envoyés immédiatement sur place pour tenter d'envoyer les sous-marins par le fond. Après tout, si on prévoit des escadres, c'est justement pour s'amuser un petit peu. Du côté à El Diouf, il y a eu une victoire du United Kingdom, même si celle-ci est extrêmement minime, les sous-marins restant la priorité pour l'instant en ce qui concerne les Japonais. Plusieurs bombardiers sont abattus au moment où ils font du spot, mais rien de bien méchant. Du côté du front de l'Est, la victoire de Klaipėda est écrasante, même si c'est vrai, 99 divisions contre 3, il n'y avait pas beaucoup de possibilités de victoire pour ces 3 divisions, même si ça, ce ne sera pas écrit dans les livres d'histoire. Finalement, au golfe d'Aden, c'est une victoire et les divisions britanniques sont écrasées. À quelques heures près, selon les messages qui sont envoyés par les Britanniques, en effet, ceux-ci avaient probablement prévu d'envoyer des transports pour les évacuer. Hélas, les Italiens ont pour une fois fait preuve, justement, de compétence et ont donc réussi leur mission. Du côté du front de l'Est, on peut constater quand même de fortes avancées soviétiques et aussi d'énormes stacks d'armées composées principalement de T-34 et de viande. La bataille de Pinsk pour l'instant tourne en faveur des Hongrois et des Allemands. Les Hongrois d'ailleurs étant complètement déchaînés, étant capables d'infliger 1200 pertes pour même pas 100 de leur côté. La bataille de Sardy quant à elle est beaucoup plus serrée et on peut constater que les soviétiques n'hésitent pas et envoient carrément toute la viande disponible et les infanteries allemandes ont beaucoup de mal à les gérer. C'est assez étonnant, car d'habitude l'infanterie allemande est parfaitement capable de gérer l'infanterie soviétique, surtout quand celle-ci n'est pas appuyée de T-34. Or là, on constate que ce n'est pas le cas, et le Field Marshal hongrois commence à voir que ça sent mal pour ce front. Du retour du côté du golfe d'Aden, où on peut constater que là, les Italiens viennent de se prendre une raclée de la part de la Royal Navy. Sur les batailles actuelles, il y a celles de Pinsk et de Sarny qui sont actuellement en cours, et il n'y a rien d'autre à signaler du côté du monde. Nous retournons sur la bataille de Pinsk, où on peut constater quand même que les divisions soviétiques prennent cher au niveau de l'AMP, mais aussi au niveau de l'orgue, même si ça bouge pas énormément. Les Panzers étant justement leur principal némésis sur le champ de bataille, c'est vraiment eux qui font les dégâts. Du côté de la bataille de Sarny, aucune avancée. Et du côté, bien évidemment, des Américains, ils sont toujours aussi cancers avec les tonneaux, mais ça, rien de bien méchant. La bataille de Brest-Litovsk est engagée avec le Field Marshal Timoshenko contre Von Kleist, celui-ci commandant énormément de Panzer III contre énormément de viande soviétique, même si, quand même, la barre n'est pas forcément en sa faveur. Toutefois, Von Kleist étant un excellent général, on ne doute pas de sa capacité à réussir ou pas. Ça dépendra des facteurs, comme par exemple des orages, on s'en souvient à tous. Toutefois, on peut constater quand même que le rapport de pertes est énorme. C'est du 10 pour 1 avec 10 000 pertes côté soviétique pour à peine 100 côté allemand. Du côté de Costermansville, juste un petit accrochage minime. Du côté du retour à Brest-Litovsk, où là par contre, l'attaque de l'Union soviétique s'arrête immédiatement et d'ailleurs le ratio de pertes est immense. 17 000 contre à peine 1000 côté allemand. La bataille de Sardy, quant à elle, est toujours aussi délicate. Et du côté de la bataille de Pinsk, les divisions soviétiques sont en train, littéralement, de crever sur place. Mais bon, ça, pour l'instant, tant qu'elles sont capables de tenir, hélas, elles retiennent une grosse partie des forces de l'Axe et font également consommer énormément d'essence à l'Allemagne, qui commence d'ailleurs à accuser le coup. Deux batailles toujours en cours, Barne, Sarny et Pinsk. Retour justement à Sarny quelques jours plus tard, le 3 août 1942, où là on peut voir que le général hongrois n'est plus capable de tout gérer, puisque 86 divisions, ça fait quand même mal aux fesses. Du côté de Tarnopol, alors là par contre c'est une boucherie, où malheureusement les pauvres tanks italiens n'arrivent pas à gérer les T-28 et les divisions montagnards, et de l'autre côté du côté de Tchernoti, il y a une tentative d'attaque, mais malheureusement ça passe pas du tout. La défaite à Tarnopol est immédiate, avec quand même une grosse raclée et un ratio positif pour les soviets. ce qui est assez peu encourageant pour les forces de l'Axe qui sont justement prises au piège et qui sont surtout sur une seule ligne de défense, là où les soviétiques peuvent en aligner plusieurs. La bataille de Przemyśl s'engage avec énormément de T-34 contre des Panzer III et c'est assez serré, hein, les T-34 étant encore capables d'aligner d'excellents résultats quand on peut le voir, et les Panzer III n'étant pas forcément capables de leur faire grand mal. Le pauvre Astrich, le pauvre général Guderian n'est pas capable de repousser l'avancée soviétique. À Hotin, il en est de même, c'est assez serré mais c'est quand même délicat. Et à Lo, malgré une forte supériorité numérique, les soviets parviennent à encaisser le coup en attendant des renforts. Côté indien, toujours aucune bougée. Et côté de Houghtine, et là, ça, bah là, on peut constater qu'il y a beaucoup de T-34 qui sont capables de tout arrêter. Et cela fait rager énormément les personnalités de l'Axe, dont la Vipère et Maspas. Du côté de la bataille de Stringe, eh bien, ça change pas. Et également, la bataille de Houghtine, malheureusement, est perdue pour l'Axe. Et là, ça commence à sentir très mauvais sur le front roumain, où la poussée est quand même assez forte, notamment à Iasi, avec une très grosse attaque. Mais malheureusement, on ne peut plus, on doit constater aussi l'absence de la Luftwaffe qui, à cause des problèmes d'essence récurrents, ne peut plus vraiment décoller. Et hélas, d'ailleurs, ça donne l'ouverture pour les bombardiers soviétiques, notamment à Balti, où là, par exemple, ils sont en train de se faire ouvrir. Par contre, à Lutsk, eh bien, Model n'est pas capable de repousser, pour l'instant, les soviétiques. Les techs japonais sont en train de se faire tranquillement, même si on retourne immédiatement sur Kowel, où là, Von Manstein était en train de se battre contre Shaposhnikov, et Shaposhnikov étant capable de le tenir. À Lutsk, où là, les blindés allemands n'ont plus d'orgue, et d'ailleurs, on constate leur manpower, ça va faire très mal à combler, tout ça. Bataille de Kowel, les T-34 commencent à accuser le coup, par contre, les Panzer III, eux, sont plutôt bons. Donc là, Von Manstein devrait réussir à contrer l'attaque, et d'ailleurs, quelques renforts viennent de lui être envoyés en personne de quelques miliciens, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Du côté du front japonais, une attaque sur l'Australie est prévue et de nombreux déplacements de troupes sont en cours, les troupes ayant été envoyées à Singapour pour être redéployées du côté de la province italienne présente sur la zone. Du côté de Lutsk, Von Manstein est en train de coller une bonne branlée aux soviets, même si là, il est beaucoup plus dans un état délicat, puisque c'est du 1 pour 1 au niveau du nombre de divisions, et pourtant les soviets arrivent parfaitement à tenir. C'est une bataille quasiment, pour le presque plus d'un million d'hommes, hein. Ça fait déjà pas mal. Du côté toujours ensuite du sud, alors là nous pouvons constater à Kowel que Von Manstein est en train de coller véritablement une branlée à Shaposhnikov, qui est en train de perdre pas mal de manpower au niveau de ses T-34, mais ça, à mon avis, au niveau du front de l'Est, les soviétiques, ils n'en ont rien à secouer. Nous pouvons constater que les Italiens ainsi que leurs alliés ont immédiatement prévu un retournement possible de la Roumanie et donc laissé quelques troupes au niveau des points de contrôle pour éviter les emmerdes. En ce qui concerne les Américains et les Japonais, ça joue toujours à touche pipi avec des sous-marins et il n'y a rien de bien méchant si ce n'est des tonneaux qui coulent, mais ça les Japonais en ont plus rien à foutre et ils sont repassés du côté positif. Nous par contre un très gros accrochage là du côté de Korean Stray où là par contre là les sous-marins sont en train de se faire rétamer la gueule. Et ça c'est très bien, voilà, couler, ça fait l'équivalent de Dasbot devant Gibraltar, c'est magnifique, tous les subs ont été démolis, 2000 morts pour à peine 200 du côté des Japonais. C'est excellent, et surtout qu'en plus il n'y avait même pas la totalité des destroyers qui étaient sortis, il y en avait juste 36 contre 9, c'est une très grande victoire notée dans les livres d'histoire. Du côté de Kowel, Von Manstein par contre là est en train de se battre contre de la viande, il n'y a aucun doute qui passe là-dessus. Là par contre nous pouvons constater que les divisions commencent à manquer de fuel, surtout du côté italien, et du côté de Kowel, malheureusement, c'est une défaite, beaucoup de renforts sont apparus, oui, on peut le dire, hein, puisque c'est limite de la téléportation ce qu'ils sont capables de nous faire, et du côté de Suceava, pardon, et bien là, par contre, c'est un très gros engagement de blindés, un petit peu partout sur le front de l'Est, on se retrouve littéralement sur une version un peu historique de la bataille de Kursk, avec énormément de blindés. Les problèmes de métal étant commençant à se faire sentir du côté japonais, on commence à aller sucer quelques pays étrangers. Une défaite à Chouch, nous avons pas le temps de voir les pertes, si vous voulez mettre la pause pour les vérifier, allez-y. Alors que du côté de la mer Jaune, il y a quelques engagements encore de subs, quelques nettoyages par-ci par-là. Les Américains perdant énormément de subs. Nouvel engagement, nous allons voir immédiatement ce que ça donne. Pour l'instant le ratio est plutôt équilibré, même si c'est beaucoup plus de sous-marins qu'un sous-marin qui crève. Ouais, oui, pour, par contre, ouais, y a rien, et voilà, c'est une douche, c'est magnifique, et voilà, c'est parfait, à dégager, 1500 morts, c'est beau comme une meringue. À Bistrița, là, par contre, il y avait un engagement, ah, et nous constatons également une poussée, là, justement, bah, sur Bistrița, où là, c'est, les soviétiques commencent vraiment à se montrer de plus en plus menaçants sur ce front mou, et même si les tanks et les Italiens sont présents, malheureusement, ils n'arrivent pas à repousser l'attaque. Hein. Les tanks italiens, on sait ce que ça donne, surtout quand ils sont en mobility focus, hein, en manpower focus, pardon. On peut constater que ça va pas très bien. Et d'ailleurs aussi, en ce qui concerne les changements, Himmler est passé en tant que Premier ministre du Reich, parce que son prédécesseur avait quelques malus qui n'étaient pas excellents au niveau armé. Nouvel engagement du côté de la mer est chinoise, où là par contre c'est du 1 pour 1, même si de nombreux subs là sont... Oui, des subs sont largement en train de couler. Voilà, oh là c'est une douche, c'est parfait, c'est un ratio de 1 pour 1, mais vu le nombre d'appareils et d'escadres qui sont tombés, c'est excellent. D'ailleurs, les avions étaient sur le coup également. À Suceava, eh bien là, par contre, beaucoup de divisions sont encore arrivées. Et quand on voit les stacks qui nous attendent, là, on se dit, putain, c'est incroyable. D'ailleurs, on peut constater une espèce de mouvement de pince. Hein, nous y reviendrons un tout petit peu après. Où là, par contre, à niveau de Bistrița et tout, si le soviet commence à envoyer du renfort, il risquerait d'y avoir un mouvement de pince directement en Roumanie. Et les troupes de Streava, je crois que c'est le nom de cette province, commencerait vraiment à suer à grosses gouttes. Surtout que là, en cas de perte de ce corps d'armée, ce serait une très grosse perte au niveau du front roumain, qui est quasiment tenu par très peu d'hommes, et surtout par beaucoup de mignons. Et donc là, ça serait clairement très mauvais. Oui, il y a beaucoup de traits sur les dernières phrases. Ah, oh, une grande sortie victorieuse, ou pas, des bombardiers espagnols, qui se sont fait rétamer la gueule. Du côté de Galatie, c'est du 1 pour 1, et du côté de Bistrița, là, ça reste aussi assez tendu, et les soviétiques se font de plus en plus menaçants, surtout sur le front roumain. On sent vraiment une volonté de passer à ce niveau, surtout que s'ils retournent la Roumanie, eh bien, on va le dire clairement, ça va sentir très mauvais, puisque ben, si on constate à ce niveau, il y a quand même beaucoup de divisions roumaines qui sont en train de tenir la ligne, et là, ce serait vraiment une grosse perte. Du côté de Przemyśl, le général Franco est en train de tenir la ligne avec un petit peu tout le monde, hein, de l'allemand, de l'italien, mais aussi du roumain. Et il tient plutôt bien d'ailleurs, hein, faut dire que c'est un excellent commandant, un skill 3 avec défensif, même si le terrain malheureusement n'est pas forcément en sa faveur, hein, c'est quand même du terrain qui favorise les tanks, mais ça c'est pas bien grave, du moment qu'il tient la route. En ce qui concerne le nord de l'Afrique, pour l'instant, aucun mouvement. Et en ce qui concerne, par contre, le retour sur la Roumanie, là, on peut constater que Suceava est lourdement sous attaque. Et là, vraiment, la défense se fait de plus en plus délicate, hein, parce que y a des attaques d'un petit peu partout, et surtout sur la province au sud. Donc, auquel cas, si jamais il y a une retraite qui est demandée, eh bien, hélas, ce sera vraiment une course contre la montre. C'est à celui qui arrivera le premier. Et dans ces cas-là, on sait que l'axe n'est pas souvent chanceux. C'est souvent à 1 heure que ça joue, lui perd ses deals à 1 heure, ce qui n'est pas le cas de ses ennemis. On a pu constater un mouvement sneaky vers l'Australie, même si nous y reviendrons, pour voir s'il réussit ou pas quand les batailles seront terminées. Victoire à Chouch, bon, victoire instantanée, ça c'était pas grand-chose. Et à Bistrița, là par contre, on peut constater vraiment que les soviétiques sont capables de tenir avec un effectif extrêmement réduit. Hein. 6 T-34 seulement sont capables de retenir une vingtaine de divisions, mais quand on voit la gueule des marines italiens qui sont complètement désorganisés, on se dit qu'il n'y a rien d'étonnant. Et là, vraiment, on peut constater que ça commence à vraiment sentir mauvais, hein, cette fin d'année 42, puisque là, nous approchons du mois d'octobre, et même avec la pause possible hivernale qu'il y a, les perfusions américaines en essence sont capables de faire tourner l'intégralité des forces soviétiques, que ce soit au niveau des avions et au niveau des T-34, et pourtant, on a bien vu, ils en ont beaucoup. Nouvel accrochage de subs, toutefois, bon là c'est juste avec des navos, donc il n'y aura pas grand cas à faire de cette bataille, même si bon, on me dira dans les livres d'histoire que c'était magnifique. Un Bacău, là par contre, oui, ça sent pas très bon, hein, pour les pauvres Hongrois. Défaite après Minsk, ah, là nous pouvons constater que le Franco s'est fait rétaper la gueule, et à Bacău, oh que ça sent mauvais, quelques batailles aériennes du côté du front africain, et ah là là, le mouvement de pince est comme en train de se faire là, oh là là, il risque d'y avoir une poche là, parce qu'à Bacău, là ça commence vraiment à sentir très mauvais, et là les troupes de Streava là sont en train d'essayer de se replier en catastrophe, mais ça sent très mauvais, il y a de l'action partout, c'est d'ailleurs, c'est incroyable de constater que l'Union soviétique est capable de faire tourner absolument tout. Regardez, il y a tout ce qu'il faut qu'ils tournent, que ce soit au niveau des T-34, au niveau des avions. Ça, vraiment, là, ça sent mauvais, surtout que l'axe commence vraiment à manquer de pétrole, donc là, on va avoir de gros malus hein, en ce qui concerne les batailles. Nouvel engagement. Ouh là, par contre, c'est les USA qui ont collé une grosse raclée sur le premier engagement. Ouh là là, oui, l'engagement est en train de se poursuivre, il sent très mauvais. Pour l'instant, toujours aucune perte en ce qui concerne les destroyers. Il n'y a pas eu de perte, non ça va, il n'y a pas eu de perte, même si là, à mon avis, les Japonais ont quand même assez sué et se sont carrément chiés dessus, hein, on peut le dire. Le débarquement est quasiment prêt du côté de l'Australie, ça commence à arriver, toujours en mode sneaky, pour l'instant personne ne les a vus. Retour sur le front de l'Est où là par contre ça commence à sentir mauvais, nouvel engagement du côté de la mer Jaune, engagement qui là par contre est au niveau, oui ça c'est au niveau des avions, donc là par contre il n'y aura rien. L'Australie ça avance et croyez-moi toutes les divisions qui sont dans les transports sont en train de se la grosse goutte. Ah là nous avons constaté une petite erreur, oui ce n'était pas les motos qui étaient rentrées dans les transports. Ah, défaite à Sueva. Et là, par contre, c'est extrêmement mauvais, puisque du coup, toutes les divisions sont en train de se replier, alors que Bacău est lourdement sous attaque. Et si jamais Bacău tombe, et bien là, c'est la grosse poche. Et ça veut dire que les troupes ne pourront pas retourner au combat. Nouvel engagement de Navo contre des subs. Les subs sont régulièrement en train de se faire choper. Ah, débarquement immédiat en ski sur Port Lincoln. Espérons que ça va passer pour essayer de débloquer un peu la situation. Oh là là, Sueva est en train, est carrément tombé aux mains des soviets. Aucune possibilité de contre-attaque. Et Bacău vient de tomber, et ah oui, oula, ça va se jouer à quelques heures, victoire à Bistrița, bon là on peut dire que ça fait plaisir, même si tous les regards sont tournés ailleurs, bon quelques pertes de convoi, il n'y a rien de bien méchant, on en a rien à foutre, toujours le débarquement sur Port Lincoln qui est en train de se faire, là les divisions sont en train de débarquer, le général Imamura, c'est beau, c'est très beau, par contre du côté du front de l'Est, regardez là, ça sent extrêmement mauvais, il y a des renforts qui sont en train d'arriver du côté du front sud, pour essayer vraiment d'empêcher la poche, du côté du front nord, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de mouvement, si ce n'est potentiellement avec la Klaipėda. Là, sur Chouch, les divisions de l'axe sont en train d'essayer de remonter, même si franchement, c'est pas génial, surtout qu'en plus, le terrain va être complètement démoli une fois leur arrivée effectuée. Donc, pour se retrancher, pour se réorganiser, ça va être assez compliqué. Même si là, du côté de Bacău, ah c'est bon, hein, quand même un renfort, oh là le renfort est extrêmement minime, des pauvres Italiens qui vont tenter de contrer 47 divisions, dont la moitié c'est de la mobilité, et surtout qu'en plus, ouais, du côté de Strava, ils sont tout de suite en train de supporter l'attaque, oh non, carrément, ils sont carrément en train de pousser sur la suite, oh là là, ça va se jouer à quelques heures, ils arrivent le 7 à 8h, c'est-à-dire dans 4 heures, oh ça va être chaud, ça va être très très chaud tout ça, là le monde retient son souffle, le débarquement sur Paul Lincoln, là on est en train d'aller chercher des divisions en renfort, Bacău, défaite, hein, ça sent très mauvais, ça sent très très mauvais. Ouais, là, les divisions motorisées du général Yamashita sont en train d'y aller. Notre armée à Bacău a été engagée, donc ça veut dire qu'il y a eu il y a un nouveau problème. Défaite à Bacău. Oh là là, ça joue au yo-yo. Là, ça joue au yo-yo. Ça veut dire que les premières divisions qui étaient en train d'arriver ont réussi à se replier, mais ça n'est pas le cas pour les autres. Là, pour l'instant, beaucoup de mouvements du côté du front japonais qui va vraiment essayer de débloquer la situation, puisque là, vraiment, de l'autre côté, ça bouge pas. Et par contre, du côté de Bacău, pour l'instant, ça va, ça tient encore. Il y a quelques divisions qui sont en train d'arriver. Malheureusement, comme on peut le constater, les divisions allemandes de Panzer avancent au ralenti à 2,3 km/h. C'est pas excellent, puisqu'il n'y a plus d'essence pour les faire fonctionner. Donc, limite, on est en train de pousser les tanks. Ça, c'est très bon, c'est très, 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 très mauvais. Et oui, comme dirait le Führer, là, il y a quelque chose qui va pas du tout. Ça va pas du tout, et là, Voice-Shiner, on peut le dire clairement. Et par contre, côté général, ah, Bacău vient de tomber, et là, c'est, oh là 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 là, 17 divisions blindées qui vont passer probablement à la poubelle, malgré la tentative de contre-attaque, qui malheureusement ne va pas passer. Ah, et à quelques heures, là, à El Cantara, oui, on a un engagement dont tout le monde se fout. À Braila, il y a quelques... Ouais, voilà, de Braila, on essaye la contre-attaque, mais les divisions soviétiques sont arrivées, elles sont quasiment full orgue à chaque fois. Ah là là, ah, ça va faire très 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 mal aux fesses, parce que malheureusement, des divisions blindées, même quand elles sont pas d'essence, quand elles sont utilisées en défense, elles restent quand même avec plus de 100% d'efficacité. À Braila, ah là là, toutes les divisions de l'axe sont complètement désorganisées, avec des problèmes de fuel. Ah, ça est pas bon du tout, les T-34 vont être capables de les tenir, désastre sous Suceava, et voilà. Ah là 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 là, ah, c'est mauvais. Ah, c'est très mauvais. Oh là, c'est tout un corps d'armée blindée qui est en train de passer à la poubelle. Les désastres sont en train d'arriver. C'était les premiers Allemands et maintenant ce sont les divisions blindées italiennes qui vont passer à la poubelle. Et d'ailleurs, à Braila, l'attaque est passée. Donc ça veut dire que toute la possibilité de contre-attaque pour tenter de sauver quelques blindés, bah, c'est foutu. Clairement, c'est foutu. Les divisions de marines italiennes n'auront pas la possibilité de contre-attaquer. Et là, elles sont complètement désorganisées. Il y aura à peine quelques infanteries qui seront sauvées, mais malheureusement, ça ne sera pas le plus important. Là, on peut constater que ça commence à sentir très mauvais, puisque rien qu'avec cette perte, eh bien la défense se retrouve littéralement trouvée comme une passoire, hein, on peut le dire. Là, les Italiens, voilà, qui se replient de Constanza sur Dobrich, ah, c'est pas bon du tout. Le front roumain est clairement en train d'être percé. Du côté de l'Australie, rien de bien méchant pour l'instant, toujours quelques avancées, les miliciens sont en train d'arriver, et également les divisions motorisées. Oh là là, regardez-moi tous ces déplacements d'unités soviétiques, et ils en ont rien à foutre, hein, eux, les problèmes d'essence, ils les connaissent pas, hein. Vive le fioul du Texas, ça c'est bon, pour une fois le capitalisme est en train de sauver le communisme, c'est assez rare pour être souligné, hein, d'ailleurs, j'espère que les Américains s'en mordront les doigts pendant la guerre froide. En ce qui concerne le reste du monde, pour l'instant, pas beaucoup de mouvements, que ce soit au Japon ou en Afrique. L'Australie, pour l'instant, l'axe ne l'a toujours pas remarqué, même si ça ne devrait pas tarder, puisque, hélas, l'Australie, on n'a pas l'air d'y croire comme ça en la regardant sur une carte, mais c'est quand même extrêmement vaste. Tentative de contre-attaque sur Braila, 22 contre 3, et pourtant les soviets, regardez-moi ça, ils sont limite capables de tenir parce que c'est du T-34. Ah, c'est horrible. Ah là là, les dirigeants de l'Axe s'en les doigts. Au moins, il y a quelques... Voilà, on a réussi quand même à sauver 14 corps d'armée de cette Bérésina, même si malheureusement, c'est pas les plus importants. Bon, ça reste quand même de l'infanterie et ça pourra combler des trous, mais pas de blindés, ça fait toujours mal aux berches. Et là, par contre, ah voilà, là, ça y est, l'Axe a commencé à remarquer la situation du côté de l'Australie. Enfin, faut dire que là, c'était quand même assez visible, hein, une grosse tache jaune sur un allié, ça reste quand même assez visible. D'ailleurs, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de coup de téléphone à la Maison-Blanche ou directement au palais de la Reine, hein. Celle-ci doit être encore coincée au niveau à voir son thé. Enfin non, je dis la Reine, même si c'est le roi. Ah voilà, ça y est, premier engagement, là ça y est, c'est la flotte australienne qui a été envoyée, qui a d'ailleurs coulé un croiseur lourd japonais pour tenter de les contrer, et l'arrivée des navires américains en Australie. Là, ça sent très mauvais.